Bonjour, bonjour la famille ou bonsoir où que vous vous trouviez. D'abord, nos sincères condoléances au président Alpha Condé, sa famille, ainsi que à la famille de Hadja Djenné. Que son âme repose en paix. Et au peuple de Guinée. Franchement, je suis dépassé, sidéré par des publications de certains membres du CNRD, c'est-à-dire le CNRD en complicité avec certaines personnes. C'est incroyable. J'ai déjà publié sur ma page, mais c'est incroyable que des individus. Regardez ce que des informations vont bientôt sortir sur les dernières heures de vie entre le Prague et la regrettée Hadja Djenné. C'est-à-dire, vous, les gens du CNRD, moi, c'est pourquoi je ne peux jamais vous respecter. C'est pourquoi je ne peux jamais vous respecter. D'abord, vous faites un communiqué bidon, un communiqué haineux. Vous avez vu les messages venant des ambassades, des rois du monde. Vous pensez que vos bêtises-là, vous pouvez rabaisser le président Alpha Condé? Le président Alpha Condé était grand avant qu'il ne devienne président en Guinée. Le président Alpha Condé, il était déjà grand avant qu'il ne devienne président. Il était connu avant qu'il ne devienne président. Il était respecté avant qu'il ne devienne président. Ce n'est pas vous. Des gens à qui il a fait confiance, des gens qu'il a lavés, Mamadou Doumbouya n'était rien. Idi Amin n'était rien. Amara n'était rien. Bala n'était rien. Grâce au président Alpha Condé, vous êtes devenus des grands. Vous ne pouvez rien du tout. C'est-à-dire, vous montrez une fois encore que vous êtes des bambins, des gamins. Vous ne pouvez pas rabaisser le président Alpha Condé. Vous allez tout faire. Vous avez vu du début vos mensonges. Vous avez monté tout. Il reste toujours grand. Ces acquis resteront. Ce n'est pas vous. Qu'à l'État, on parlera du président Alpha Condé. Soit petit, on parlera du président Alpha Condé. L'hôpital, donc, on parlera du président Alpha Condé. Ces hôtels où vous partez, vous flanquez, on parlera du président Alpha Condé. Le palais Mohamed V, où vous êtes flanqué, on parlera du président Alpha Condé. Vous ne pouvez pas l'enlever, ça. Si vous pensez que vos bêtises, c'est-à-dire vous avez fait le coup d'État, ça ne vous a pas rassasié. C'est de sa vie privée. Allez-y. Vous pensez pouvoir faire du mal à quelqu'un? Vous pensez pouvoir faire du mal à quelqu'un? Non. Vous oubliez que ce mal peut se retourner contre vous. Vous oubliez que ce mal peut se retourner contre vous. Même ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé hier. Vous avez vu les messages de El Hadj Belaïd, les messages de Sidya Touré, de toute l'opposition en général. Si vous pensez que vous allez venir vous flanquer là, parler de la vie privée du président Alpha Condé, Condé Hadja Djenné. Si cela, c'est ce qui va vous donner, qui va faire que vous allez être populaire, sortez, vous allez parler. Vous n'avez même pas honte. Alte Maloyala, aujourd'hui vous êtes, c'est-à-dire vous avez honte où vous êtes aujourd'hui. Vous avez honte où vous êtes aujourd'hui. Des petites personnes. Des petites personnes. Vous avez vu, moi je l'ai dit ici, le coup d'État. Ça n'a rien à voir avec la démocratie, rien d'autre. Vous êtes juste des bandits de grand chemin. Vous êtes juste des narcos. Vous avez fait le coup d'État. Juste un instinct de survie pour sauver vos têtes. Si vous étiez vraiment des gens responsables, vos comportements bidons, vous n'allez même pas le faire. Vous cherchez par tous les moyens pour rabaisser le président Alpha Condé, le salir. Mais vous oubliez que c'est grâce à lui, vous êtes devenu quelqu'un. Grâce à lui, les forces spéciales ont été créées. Grâce à lui, Mamadou Doumbouya a été connu. Grâce à lui, Idi Amin a été grand. Grâce à lui, Amara. Quand je vous vois, c'est pourquoi moi, je vous traite comme des bambins, des vrais blakoro, parce que vous n'avez pas de respect pour vous-même. Vous allez continuer que des conneries. Oui, on va parler de la vie privée du président Alpha Condé et de Hadja Djenné personnel. Vous n'avez pas honte. Et Alte Maloyala. Eh, Alte Maloyala CNRD. Eh, Alte Hankri Talula. Alte Maloyala. Alte Maloyala. Vous pensez que vous pouvez continuer à salir ou ternir l'image du président Alpha Condé?
vous vous rendez impopulaire. Ce n'est pas le président Alpha Condé. Vous avez tout essayé. Vous avez tout essayé. Rabaisser le président Alpha Condé. Kwalia Manoro, vous avez tout fait. Si vous voulez encore sortir pour raconter des salades sur le président Alpha Condé, faites-le. Mais je dirais, c'est lui qui sortira encore grand. Vous avez vu les messages à travers le monde. Ben, Yaka Kapriza Alpha Condé, félicité. Kafou, ce n'est pas vous. Vous êtes méchant. Vous êtes vraiment méchant. Des petites personnes comme des Moussa Moïse, comme des rédacteurs là-bas. Vous n'avez même pas honte. Ça dit, c'est incroyable ce qui se passe dans notre pays. Des petites personnes comme vous. Vous allez venir écrire que les heures qui suivent, que des informations bientôt vont sortir sur entre le président Alpha Condé et la regrettée Hadja Diagne. Allez-y, vous allez prendre des petites personnes dans la famille de Hadja Diagne. Vous allez les mettre dans les plateaux. Vous allez venir encore dénigrer le président Alpha Condé. Si c'est ça l'objectif, si c'était ça l'objectif de votre coup d'État, ça dit qu'ils n'ont même pas honte. Ils sont désespérés. Comment tourner la page, faire en sorte que les gens détestent le président Alpha Condé? Voici tout leur objectif. Mais vous n'arrivez pas. Vous allez beau faire. Vous allez tourner. Vous n'arriverez pas. Je vous ai déjà dit, vous n'arriverez pas. C'est le monde entier aujourd'hui qui appelle le président Alpha Condé. Le monde entier qui envoie des messages dans le respect absolu. Pas des bambins comme vous, des gens à qui il a tout donné, à qui il a fait confiance. Vous n'étiez pas en conflit avec lui. Tout ce que vous recherchez, c'était ça. L'argent, la belle vie, c'est tout ce que vous recherchez. Vendre de drogue, c'est tout ce que vous recherchez. La liberté de vendre la drogue, c'est tout ce que vous recherchez. Mais le président, lui, son souci, c'était de développer. Vous n'êtes pas pareil. Donc sortez, vous allez faire vos conneries. Vous allez venir encore rentrer dans sa vie privée. Si le pouvoir que vous avez pris, ça ne vous suffit pas. Vous êtes incapable aujourd'hui de satisfaire les Guinéens. Hein? De satisfaire les Guinéens. Voici encore un imbécile qui est là. Que Doumbouya n'est pas l'ennemi d'Alpha Condé. Oui, tu as raison. Quand quelqu'un va, il tue ta garde présidentielle. Jusqu'à présent, les corps, personne ne sait où se trouvent les corps. Et cette même personne. Une minute, la femme. Quand quelqu'un attaque ta famille, tue ta garde, fais disparaître des corps, te prends, t'humilie et continue. Non mais, ne d'encadéa kanté quoi. Vous allez vous flanquer pour dire que Doumbouya n'est pas l'ennemi du président Alpha Condé. Vous allez vous dire que Doumbouya n'est pas l'ennemi du président Alpha Condé. Hein? Vous allez dire ça. Vous allez dire ça, que Doumbouya n'est pas l'ennemi du président Alpha Condé. Il n'y a plus pire ennemi au président Alpha Condé que Doumbouya. Qui est flanqué dans le fauteuil du président Alpha Condé? Ni Danka Deya Koumate, ni Manamana Kante. Doumbouya n'est pas l'ennemi du président Alpha Condé. Arrêtez vos bêtises. Taisez-vous, c'est mieux. Ni Koumatal Kono, taisez-vous. Djene Koto Kosuya Mikla Molla. C'est quelqu'un d'autre qui a pris les armes pour venir tuer à la présidence? Qui a manipulé les enfants, les forces spéciales? Où est Alia aujourd'hui? C'est Alia. Qui a manipulé Alia? Qui est à la tête de Alia? Où est Alia aujourd'hui? Où est Petit Diané? Où est Kouyaté? Doumbouya n'est pas l'ennemi du président Alpha Condé. Allah manamana kanwe. Vous pensez que vous allez endormir les gens? Vous pensez que vous allez endormir les gens dans ce pays?
Aujourd'hui, ils sont en train de passer par comme certains proches de la famille de Hadja Djenné, qu'ils vont encore dénigrer le président Fakonde. Le coup d'État, ça ne vous a pas suffi. Mais allez-y le faire. Vous allez voir le résultat. Si vous pensez que c'est le président Fakonde, vous allez rabaisser. C'est votre ingratitude que vous allez montrer aux Guinéens. C'est votre ingratitude. Je ne sais pas qu'un certain Ouessou Djabi. Ouessou Djabi, voilà. Allez-y, vous allez faire ça. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous pensez que vous pouvez rabaisser le président Fakonde? Si c'est ça votre argument pour diriger la Guinée, continuez. Vous n'êtes pas opposant au président Fakonde. Vous n'êtes que des traîtres. Vous l'avez trahi. Assumez cela. Au lieu de vous venir vous faire passer, Hadja Djenné avait des projets là-bas. Vous avez gelé, il y a combien de comptes gelés aujourd'hui? Même la sœur du président Alpha Condé, qui est décédée depuis, je crois, 2015, vous avez saisi ses comptes. Celle qui est décédée en 2015, vous avez mis son nom sur la liste. Elle a été quoi? Ministre? Elle a été ministre en Guinée? Mais vous continuez toujours, vous pensez que vous allez faire du mal au président Alpha Condé. Moulu Braou de la Côte d'Oumbouya n'est pas contre. Charles Ouret s'est flanqué à Kanka, il n'a pas dit devant tout le monde. Toi qui dis qu'il n'est pas ennemi. Ouya Sanda vient de quitter en Turquie tout récemment. Là. Leur politique qu'ils pouvaient ramener encore le président Fakonde, ils vont le traumatiser, ils vont le séquestrer avec eux là-bas. Mais ils ont échoué dedans. Vous avez tous entendu dans les médias qu'ils partaient en Turquie avec combien de ministres pour aller voir le président Erdogan pour rapatrier le président Alpha Condé. Mais ils ont échoué dedans. Mbara Falunyene, le président Alpha Condé, il était déjà renommé, il était déjà grand, il était déjà connu. Ce n'est pas vous, les... Vous êtes tous venus, il vous a fabriqué. Vous, vous n'avez rien fait pour lui. Là, il m'a dit, tu es venu après qu'il était déjà président. C'est pourquoi je ne peux pas t'aimer, Doumbouya. Tu n'es qu'un traître, un simple traître, m'a dit Doumbouya. Faut y être un simple traître. Idi Amin, faut t'al dire. Elle te fausse les cœurs. Quand vous allez rabaisser le président Fakonde, elle te fausse les cœurs là au Brabant. Faut. Vous avez déjà montré vos limites. Si vous voyez que. Regardez Kanka aujourd'hui. Vous prenez tout un arsenal à l'encontre ces gens-là. Depuis le début, vous cherchez des mouvements de soutien. Comment lui qu'elle fait. On apprécie quelqu'un à travers ses comportements à la Kokenya. Nous, on parle ici aujourd'hui. En te fendi la Monsima. Mais il va que la cancrinti. Mais vous, vous pensez que tout est la force. Oui, de la manière que vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé, c'est comme ça que vous allez continuer à gouverner ce pays. Allez à l'Onkoko Beyebana. Sachez que quand tu fais le mal, ça te rattrape demain. Malgré que vous êtes en train de humilier les personnalités dans ce pays-là. Vous, vous êtes en train de voler pour construire à longueur de journée. Vous, vous faites rentrer vos affaires de drogue. Personne n'est arrêté. Vous pensez que le peuple est aveugle, on ne voit pas tout cela? Anyewa Matou. Aldaï, Alaban, Adi Frian Kuna. Mais nous, jamais. Hal présent Fakone Kassali, en Sini, en nous a soutenu. Parce qu'à Kanyuma leke, la Guinée, à Kanyuma le Kalounia, à l'oufisri l'homme Balilou. À l'oufisri l'homme Balilou, à l'te malouya la feu. Vous avez. Aujourd'hui, là, Djenné a le fait. UFDG n'a la Djama, elle t'a le fait. Sidi n'a la Djama, au t'a le fait. RPG n'a la Djama, au t'a le fait. À part des démagogues, des gens qui cherchent à manger, sinon, personne ne veut de vous aujourd'hui. Personne. Vous avez vu? Même le truc de leur, je ne sais pas, coalition, trois États, union des trois États. Même le Mali au Burkina. Ils ont compris que Mamadi Doumbouya est un traître. Ils se sont retirés de vous. Parce que Al-Koumakanta Salla. Ils sont avec la France. Les autres sont opposés avec la France. Ils font semblant de dire oui, on est avec vous, on est en. Flankafo. Flankafo, Matimim. Mamadi Doumbouya n'a la groupe là. Flankafo. Flankafo l'Aldi. C'est ce que vous avez fait avec Flankafo Yaleke. Sotanako.
Quelqu'un, il vous donne tout, il vous fabrique, il vous nettoie, café mbekalien. Vous venez vous flanquer que vous allez parler de la vie privée du président Alpha Condé. Attaque. Nous, hake kawuri Allah, al makol était sala, kun faya kun, adike benya kroya, fisri l'homme balilou. Donc, la famille, Fatou Niolé, je ne voulais pas faire un direct de... Fatou, moi, j'avais déjà fini, ce n'était pas un direct de long. C'est bon, je ne voulais pas, mais c'est pas grave. Non, tu es en direct. Il faut terminer vite, je vais arrêter. Non, après, ok. Donc, la famille, merci à tout le monde. Voilà, et je dis à nos communicants de ne même pas s'intéresser aux bêtises de ces gens-là. S'ils veulent, ils n'ont qu'à tout dire ce qu'ils ont. Parce que c'est des gens aujourd'hui, ils ont honte. Ils ont vu les messages à travers le monde des ambassades, des rois, des chefs d'État s'adresser au président Alpha Condé. Si vous pensez que vous... Moi, je vous ai dit dès le départ, vous avez cru que non, vous pouviez tourner la page du président Alpha Condé. Vous pensez que oui, les gens vont venir, c'est-à-dire l'amour qu'ils avaient pour le président Alpha Condé, ils vont vous donner. Charles Wright l'a dit devant tout le monde à Cancan, qu'on aimait le président Alpha Condé, aimait Doumbouya, comme vous avez aimé le président Alpha Condé. Que Danka le Moluko, que c'est comme ça on se lève pour aimer quelqu'un. C'est comme ça on se lève pour aimer quelqu'un. Elle m'a faussé, Fonabao. Anywa Matou. Voilà. Merci mon frère Mfali Kakoro. Merci à tout le monde. Voilà, Mohamed Silla. Voilà. Donc, le combat continue. Je vais même décider de ne pas faire de vidéo. Peut-être 72 ou des vidéos qu'elle a. Mais à cause de vos bêtises pareilles. Andy Bofanaka, Anselo Alkoka. Parce qu'elle t'est maloyala. Ma fils l'on balie kadumbu yana la groupe. Fils l'on balilou. Al braouri là, nous on n'a rien contre le président Alpha Condé. Manamana quand fils l'on balia kanwe. Alte maloyala. Ce que vous avez fait, vous ne voyez pas les images. Al kamoro kuro yami kalte ou yelade. Al braouri là, manamana quand fola, sotana kan. Kono, aloute président Alpha Condé contre là. Mouami ki ke feigné, yo ti la maloya, kaola masaya sifenta. Foyta la. Alisi manamana quand fola molu nyakoro. Non, on te do président Alpha Condé. Ayo fola momenu yene. Hankrité momenu non. Hankrima bekano. Même ceux qui ont applaudi hier, ils ont tous compris que ouais, si c'était pour la démocratie, les élections étaient déjà finies. Mais ils ont fait le coup d'état pour sauver leur tête, parce que ce sont des officiers narcos. Mamadou Doumbouya, narco. Idi Amin, narco. Amara, narco. Bala Samoura, narco. Ils ont fait le coup d'état pour sauver leur tête. Ils ne l'ont pas fait pour le peuple de Guinée. Sinon, les Sidia, tous ces gens-là ne seraient pas hors du pays aujourd'hui. Des bandits réunis. Akata Moufala Nyene. Mais allez voir la fissure l'homme paliama. Ne changez pas. Hein. Sortez, vous allez encore parler que la vie privée du président Alpha Condé, nanani, nanana, ni baretala, alalsi, ayo kefana. Parce que vous êtes perdu aujourd'hui. Kumatal kono. Aujourd'hui, vous avez vu Kankan, al brakoube que vous êtes en train de mater, kono, que le président a parlé avec les gens. Je vous avais dit ici, l'affaire de Alia, c'était du mensonge. C'était pas le site que Moussa Moïse gérait. L'inquisiteur, je ne vous avais pas dit ça ici. Ali avec eux là-bas. Ils savent où se trouve Ali. Je sais aussi le coin. Mais tout ça, ils n'ont pas honte. Le CNED, ils n'ont pas honte. Parce qu'aujourd'hui, les gens de Cancan sont révoltés. Hé, hey, Mamadi, tu peux nous faire ça? Réclamation de courant seulement. Maintenant, ils ont Maluya et Alkoka. Ils ont honte aujourd'hui. Ils ont honte. Quand Bebara l'on confisque, l'on balie les Mamadi Doumbouya. Amadougoure l'on fait hier. Autant le président Alpha Condé, le bon Kodjur Kelaya. Mais toi, tu envoies Bala pour aller traumatiser Kadoum, rentrer dans les maisons des gens, casser, voler les biens des gens. Kotoko, parce que le président Alpha Condé, il a parlé à ses militants. Kabara de Mollo. Non, aide Tabarake Konorofrié. Vous vous dites que quelqu'un qui n'était pas aimé, qui n'était pas bon, mais vous, vous avez peur. Lui, il ne parle que seulement. Il appelle ses militants, il ne donne pas les armes. Vous, vous prenez des armes pour tuer. Vous, vous arrêtez des gens. Mais jusqu'à présent, les gens n'arrivent pas à vous aimer. L'autre, il parle. N'a la confiance taro. Alteke président Alpha Condé fait. Fisri l'homme balilou.
Alors, vous pensez que la force, là, ça va. Même ceux qui prennent les armes pour être Dieu quitté, eux-mêmes, ils ne vous aiment pas. Mais le moment venu, c'est comme ça. Allah, subhanahu wa ta'ala, ce que Allah a donné, là, vous ne pouvez pas retirer. Nalaka prelom na ketotane. Vous allez voir que vous êtes zéro. Moi, c'est pourquoi elle te sédia la nignon. Wallah, elle te sédia la nignon. Fisrilom bali be falaldi. Fano balu. Allah yere taladi. Djumantera al dekoun. Ni présal fakonde la pouvate. Djumantera dumbuyaye. Tous ceux qui parlent de Mamadi Doumbouya. Si ce n'était pas le présal fakonde, créez les forces spéciales. Djumantera Mamadi Doumbouyaye. Mounteradi. Yena ka coup d'état ka wola. Anako molu. Vous continuez ka lamaluya. Alma daoma de ou la famille. Même à la bienlu. Ka bero tien tien. Tout ce que le présal fakonde. Akanyuma susuke. Kini lokal flanqué. Tu étais, ça c'était à quelques jours du coup d'état. Du moment il dit à Mamadi, tu étais quoi ici Mamadi? Il t'était devant l'ambassade des États-Unis. Il était mouillé. Montre il dit, fouille, tu me dis Mamadi, fouille, tu me dis. Fouille, tu me dis, il l'a dit. Le jour du coup d'état. Regardez, hein, ça c'était le jour du coup d'état. Quand il a fini de faire, il est dans le regret. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, voici la position. Quand tu fais quelque chose de mal, toi-même, tu t'assois, tu dis, hé, j'ai pu faire ça à mon bienfaiteur. Voici, ça c'était le jour du 5 septembre. Au camp des forces spéciales, à côté du palais. Tout ça, là, ça veut dire quelque chose, maman dit. Il te fausse foi, nous, nienne. Il y a, continue, la fils, l'on balia, il y a, nous, maquet. En tenant, il y a, nous, maquet. Il y a, nous, maquet. Nyuma sara ya nyuma li. Juma sara ya juma ni. Ibri danati mina. Ifona di urezita ifona. Ya ila kuyaka kama wabami nina malu yati. Kuyaka la dole la. Ya kiri yere li la. Fentu ntidi. Fisri lom bali matimi. Mwami mabodi yalo. Fisri lom bali matimi. Mwami kakonyuma kinyakunu. Yeni loko. Ile ole denigre la. Ku ile kafisani uye. Allah le kafisa mantelo. Toi qui dis un peu de sérieux, d'ailleurs même je te bloque ici. Va dire à ton président bandit narco, Mamadi Doumbouya, qui n'a pas droit au respect. Moi c'est seulement à cause des bonnes personnes, l'éducation que j'ai reçue. Sinon ton Mamadi, j'allais l'insulter ici matin, midi, soir. C'est à cause de l'éducation. Sinon votre Mamadi, matin, midi, soir, si ça pouvait me satisfaire, j'allais l'insulter. Mais c'est mon éducation qui ne me permet pas d'insulter votre bandit. C'est que lui, il a fait tuer là. Tu vas me parler de quel respect? Mamadi, il a droit au respect. Ton bandit de Mamadi Doumbouya, il a droit au respect. C'est le peuple qui l'a élu. Il est l'élu du peuple. Il n'est rien d'autre qu'un gangster, un brigand, un voleur. C'est ça Mamadi Doumbouya. Qui l'a élu? S'il était l'élu du peuple, j'allais avoir honte de dire que non, les Guinéens ont voté pour lui. Mais quelqu'un qui a trahi son bienfaiteur, un bandit qui a tué les gens, où se trouvent les corps? Un narco, aujourd'hui, tout ce qui rentre aujourd'hui dans le pays, il est le premier, il est le propriétaire de ses marchandises. La marine ne fait que son travail. On retire dans la mer de la marine, ils vont brûler des poudres de manioc. C'est eux-mêmes les patrons. Ben, ils ne se gênent pas. Si la marine attrape, ils savent que oui, ils vont récupérer. Ils vont aller faire le semblant, aller brûler du poudre de manioc et commencer à faire sortir. Vous n'avez même pas honte. Ces bandits, ces narcos qui sont à la tête du pays, qu'au respect. C'est quand ces bandits-là, ils vont les mettre à terre, vous allez comprendre que tout ce que nous sommes en train de dire, on vous dit le coup d'État, ça a été fait à cause de la drogue. Pour sauver leur tête, ces narcos. À commencer par Idi Amin. Il est dans ce domaine il y a longtemps. Vous allez parler de la vie privée du président Fakonde. Vous n'avez rien à dire.